Encore est un jeu de gestion de ressources et de pose de tuiles. Les joueurs sont des marchands égyptiens qui tentent de se faire une place dans le milieu. Dans Encore, les joueurs sont transportés en Égypte antique. Le marché est représenté par un plateau de 6 cases. Les prix sont fluctuants et déterminés aléatoirement au début de partie par des jetons. Les marchandises sont caractérisées par des tuiles. Elles peuvent être vertes, blanches, bleues, noires ou rouges et représenter un animal ou un bonus. Lors de son tour, le joueur a le choix entre prendre des jetons ou acheter une tuile. Les jetons sont la monnaie du jeu. Ce sont eux qui permettent d'acheter les tuiles et leur valeur est définie en début de partie lors de la mise en place. Il en existe 5, plus un jeton particulier, l'Ankh. Il n'est pas possible d'avoir plus de 5 jetons ressources et 2 Ankh devant soi. Si choisi de prendre des jetons, le joueur récupère jusqu'à 3 jetons disponibles. Il peut prendre plusieurs fois le même jeton et mélanger ressources et Ankh. L'achat de tuiles est la partie la plus importante du jeu. Lorsqu'il choisit d'acheter, le joueur paye les ressources demandées et place la tuile devant lui. La première est libre, mais les suivantes doivent être adjacentes à une tuile déjà présente. Les couleurs ou dessins n'ont pas besoin de correspondre. Il est possible de placer une tuile au-dessus de 4 tuiles, si l'une des couleurs du bas est la même. Dans ce cas, la tuile du haut est adjacente à toutes celles qui sont en dessous. Si le joueur possède 5 tuiles adjacentes avec le même animal ou de la même couleur, il prend un jeton 3 points de victoire. Certaines tuiles sont spéciales et peuvent donner des points de victoire supplémentaires, rejouer un tour ou offrir un jeton. Avant ou après l'achat, le joueur peut dépenser 1 ou 2 jetons Ankh pour faire des actions bonus. Les Ankh influencent le marché ou permettent de déplacer ses propres tuiles suivant certaines contraintes. Défausser un jeton Ankh est la seule manière de réalimenter le marché. Le joueur supprime la première tuile, fait glisser les autres vers la gauche, puis pose de nouvelles tuiles. La partie prend fin après la pose de la 13e tuile. Les joueurs gagnent des points pour leur groupe de tuiles de couleurs et d'animaux similaires adjacents. Pour conclure, Encore est un jeu très accessible de gestion de ressources et de collection, qui n'est pas sans rappeler Splendor. Les parties sont rapides et tendues. Il se joue de 2 à 4 joueurs, mais la configuration 2 joueurs permet une meilleure anticipation.